Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo sur les foires à questions de on dit que vous avez donc eu oui dire auprès de thérapeutes, de youtubeurs, etc. Et vous m'avez demandé mon avis sur ces sujets là, donc je rappelle que ce n'est que ma vérité. On est parti. Beaucoup de thérapeutes, je vous passe le message en entier parce qu'il est trop long, je le raccourcis. Beaucoup de thérapeutes font des pratiques en disant à leurs disciples que s'ils ne font pas ceci comme ça ou comme ça, alors ils connaîtront pas l'éveil, ou d'autres qui sont tellement à fond dans leur pratique qu'ils deviennent fermés d'esprit, ou bien ceux qui survolent des croyances orientales sans en comprendre ni appréhender le pourquoi du comment. Genre ceux qui pratiquent le yoga en faisant que des asanas, ceux qui disent namasté à tout bout de champ, alors que le yoga est une approche bien plus globale de l'être. Ceux qui portent des malas et qui méditent et se disent bouddhistes alors que le bouddhisme est une philosophie de vie, cela revient exactement à aller à la messe et se confesser et se dire chrétien, ou bien faire le ramadan et se dire musulman. Alors je suis entièrement d'accord avec ça, effectivement je pense que beaucoup de personnes ont besoin de s'identifier à un groupe. Moi aussi ça m'a énervée pendant longtemps à me dire que les gens avaient besoin de rentrer dans une case. Franchement, maintenant, je le comprends. Je dis pas que c'est une bonne chose parce que c'est l'ego qui a besoin de s'identifier à quelque chose. Mais effectivement, ben, c'est juste un besoin de se sentir aimé et de sentir une appartenance. Donc les gens qui portent des malas, ils se disent bouddhistes parce qu'ils ont envie de faire partie de la globalité du bouddhisme. Et pour autant, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec le fait de que ça devienne une philosophie de vie. Peut-être pareil pour certains musulmans, peut-être pareil pour les gens qui font du yoga. Je pense que c'est des gens qui ont juste envie, voilà, d'appartenir à quelque chose. Je suis d'accord sur le fait que ce soit pas forcément une bonne chose, parce que effectivement. Pour quelqu'un qui se dit croyant, on s'en fout, chrétien, musulman ou quoi, qui va à la messe ou qui fait le ramadan mais qui, à contrario, ne respecte pas les gens, les traite comme de la merde, et puis boit de l'alcool à tout bout de champ, si on prend la religion musulmane, où l'alcool est pas interdite mais pas bien vue, ben voilà, effectivement, la personne ne respecte pas les préceptes. Maintenant, je pense que la seule et unique religion qui devrait exister, peu importe qu'on parle de yoga ou de religion à proprement parler, ou peu importe en fait à quoi on a envie d'appartenir, je pense qu'on devrait tous chercher à appartenir à l'amour et le respect de l'autre. Ça serait la seule chose. Respecter l'autre comme si c'était un membre de votre famille, bah franchement déjà je pense que ça éviterait bien des guerres. Ensuite, des lieux religieux seraient extrêmement puissants en termes d'énergie et impolluables, comme le Dôme du Rocher ou encore la Mecque, tandis que d'autres auraient quasiment tout perdu, comme, étonnamment, le Vatican ou encore la ville sainte de Jérusalem. Alors pour le Vatican, je suis d'accord, pour Jérusalem, il en reste un peu. Du coup, siège des trois grandes religions. En même temps, ça paraît pas super étonnant, étant donné que les religions, à la base, ça vient de religare, qui veut dire relier en latin, ça relie plus personne les religions, ça divise les gens, donc c'est pas super étonnant que le siège des plus grandes religions soit pourri au niveau énergétique. Ensuite, certains thérapeutes, donc je rappelle que c'est les foires à questions de ce que vous avez entendu chez d'autres youtubeurs branchés développement perso et spirituel. Certains conseillent de quitter les villes et d'aller vivre dans la campagne, non pas pour avoir un style de vie plus écolo ou autre, mais pour fuir un futur chaotique qui touchera les grandes villes. Elles se videront car la population n'aura plus accès à la nourriture, les grandes surfaces n'existeront plus, en gros la vie deviendra difficile. Je suis assez d'accord. Je pense que plus ça va aller, sans parler de chaos ou quoi que ce soit, hein, d'accord, on va pas aller jusque là, je pense que plus ça va aller, plus la vie à la campagne va être nécessaire, ne serait-ce que au niveau psychologique. Plus ça va, plus les gens sont stressés, plus ils vont avoir besoin en fait de revenir à l'essentiel et de se rendre compte que ce qui est important dans la vie, c'est pas le métro-boulot-dodo, et de courir partout tout le temps, de se faire un max de blé, ce qui est pour l'instant le cas de beaucoup de personnes. Je pense qu'à terme, il va falloir qu'on se rende compte que ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. De plus, il conseille d'éviter les crédits emprunts bancaires et d'investir un maximum de notre argent dans du concret car la monnaie perdrait de sa valeur. Ouais, mais ça c'est déjà le cas. Je sais pas si vous avez un peu suivi les infos, mais effectivement, il y a
l'argent est actuellement créé, c'est-à-dire que en fait c'est les banques qui créent de l'argent pour renflouer des chutes vertigineuses au niveau de la bourse. Du coup, bah, en fait, on spécule sur un truc qui n'existe pas. Donc oui, c'est déjà la merde au niveau financier, et puis on n'est pas très loin que ça se casse réellement la gueule. Donc oui, il vaudrait mieux utiliser son argent maintenant. Et effectivement, actuellement, je me pose vraiment la question parce que je suis en train de construire l'école. Je me dis que je suis en train de soulever des fonds. Néanmoins, pour avoir les fonds nécessaires pour créer l'école, il va me falloir encore plusieurs mois, voire années. Du coup, je me dis, je sais pas comment ça va se jouer. J'ai pas assez d'infos sur ça. J'ai l'impression que l'argent va plus rien valoir d'ici peu de temps, et pourtant j'ai besoin d'argent pour créer l'école, et j'avais l'impression qu'elle devait être créée avant que tout se casse la gueule. Mais visiblement, à moins que je gagne au loto ou que j'ai un généreux donateur qui me fasse un beau chèque pour créer l'école de suite, ben je sais pas comment ça va se passer. Donc oui, investir son argent, si vous en avez assez pour le faire, faites-le dans l'immobilier, dans la pierre. Effectivement, c'est en général ce qu'il y a de un peu plus logique, voilà. Ou un yacht, parce que le jour où ça foire, ça vaut le coup d'avoir un yacht quand même, ou un dauphin. Ensuite, des lieux religieux seraient, ça je l'ai dit, déclenchement de la Troisième Guerre mondiale bientôt. Alors, j'irai pas jusqu'à dire ça, je pense pas qu'on va tous se faire bombarder la face comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais effectivement, les choses vont changer. Voilà, je peux dire ça comme ça. Retour à un style de vie très basique, abandon de toute technologie, avion, voiture et tous les appareils de maison. Bah alors ça, j'ai fait une newsletter au mois de août dernier, je crois, ou peut-être un peu avant. Voilà, pour ceux qui l'ont eu, vous comprendrez mon point de vue là-dessus. Et effectivement, je suis assez d'accord, ça va changer. Et on va plus pouvoir s'identifier, comme je l'ai dit en début de vidéo, à ce que l'on pensait être nous. Et en fait, beaucoup de personnes, beaucoup d'humains s'identifient à ce qu'ils possèdent. Et du coup, plus y avoir trop de possessions, parce que pour qu'on change et pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas s'identifier à ce qu'on possède, il va falloir qu'on ne possède plus, puisque visiblement, majorité de la population n'a pas été capable de le comprendre tant qu'on pouvait posséder. Donc il va falloir que les choses changent pour que nous, on change. Test de la foi des gens à travers un homme qui se prendra pour Jésus et plus tard pour Dieu. On trouve cette histoire chez les chrétiens et les musulmans et actuellement dans la série Messia, série que je vous conseille, c'est un bijou. Certains, même non-croyants, disent que ce test est pour très bientôt. Moi, ouais, je suis assez d'accord aussi. Ensuite, ça je l'ai dit. Je suis tombée sur une information disant que la méditation guidée était dangereuse car avec la suggestion des voix durant la méditation et la musique qui induit certaines ondes, cela pourrait ouvrir certaines portes à des entités, des mauvaises énergies ou autres. Du coup, j'aimerais ton avis sur le sujet. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais si vous me suivez, j'ai partagé une story hier où il y a un article. On ne sait pas trop qui l'a écrit, mais je présume que c'est soit quelqu'un qui est dans les lobbies pharmaceutiques, soit dans la médecine, etc., qui a mis que la méditation était dangereuse, que 48%, alors ces chiffres, on ne sait pas d'où ils les sortent, 48% des gens commençaient à voir des choses après avoir commencé à méditer, 47% commençaient à se sentir un peu trop comme ça, là, je ne sais plus le terme qu'ils avaient utilisé, que du coup la méditation était extrêmement dangereuse. Soit tous les bouddhistes du monde, tous les hindouistes sont complètement perchés. Alors rien, mais attention, je suis allée en Inde, il y a des gens qui sont perchés. Bizarrement, c'est pas les Indiens, c'est plutôt les Occidentaux qui se prennent pour des Indiens. Mais soit tous les bouddhistes et les hindouistes sont complètement en danger de mort, comme il était écrit dans cet article. Soit cet article, c'est de la grosse merde. Du coup, est-ce que la méditation est dangereuse parce qu'on peut entendre des voix? Oui, la méditation va faire le vide dans notre esprit et par conséquent, il est possible qu'en créant du vide, on soit apte à recevoir des informations. Maintenant, c'est pas la méditation qui est dangereuse parce qu'elle nous fait entendre des voix pas cool, c'est la méditation qui fait qu'on va faire le vide et qu'on est apte à écouter d'autres choses. Mais si on vibre assez bas, on va attirer des entités du bas astral, donc on va entendre des choses qui peuvent être pas super cool. Maintenant, plus on va être dans le cœur, plus on va augmenter sa vibration, plus en fait on va entendre des choses
plutôt cool. Et du coup, bah, c'est pas la méditation le problème. La méditation, c'est le bouton pour entendre. Ce qui est le problème, c'est de ne pas être centré dans le cœur et de ne pas faire attention à ce que l'on touche qui suit la méditation. Donc non, la méditation en elle-même n'est pas dangereuse. C'est... Remarque, attends, je reviens sur mon truc et je vais dire, ça dépend de quelle méditation on fait. Si la personne que vous suivez en méditation guidée, par exemple, a des intentions pas cool, il se peut qu'elle vous mène dans des endroits, qu'il ou elle vous mène dans des endroits au niveau énergétique, au niveau vibratoire, pas super cool. Et donc vous allez attirer des trucs pas super cool. Donc choisissez bien votre thérapeute en fait, c'est toujours la même histoire, allez que vers ce qui vous paraît être bon pour vous. Question qui me passe par la tête quand je vois à la fois ce qui se passe en Australie et l'hypocrisie des Pray for Australia sur Insta, je me dis souvent, mais qu'en pense la Terre si elle pouvait parler? Bonne question. Ou qu'en penserait une personne non terrestre qui serait en train de nous analyser? Est-elle en train de s'épurer, la Terre, pas la personne qui nous observe? Mais quel est notre véritable rôle à nous? Continuer à accueillir ces catastrophes avec amour ou lutter et trier nos déchets sans plus y croire? Alors, bonne question, vraiment très bonne question. Je pense, et ce n'est que mon avis, que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que le reflet de ce que l'humanité est. Je ne parle pas d'une personne, je parle de l'humanité dans sa globalité. Changer, essayer de trier ses déchets, être écolo et manger du bio, c'est bien, vous, si ça vous fait kiffer, faites-le. Maintenant, c'est au niveau émotionnel que vous allez devoir changer, parce que tout comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes musulman et que votre seule pratique de la religion c'est de faire le ramadan mais que tout le reste de l'année vous êtes un beau connard, eh ben ça servira à rien d'être dans cette religion. Eh ben c'est pareil, si vous êtes du genre à manger bio écolo mais que par contre vous êtes un super connard toute la journée, ben ça sert à rien. Donc trier vos déchets, oui, mais il faut que ce soit accompagné d'un changement émotionnel à l'intérieur de vous et que d'un travail sur vous-même pour être plus amour avec les autres, mais surtout avec vous-même, parce qu'on peut pas être un connard avec les autres quand on est en amour avec soi. Donc un travail sur soi, c'est le primordial, et tout ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que le reflet de l'humanité. Donc pour moi, c'est, j'irais pas dire que c'est hypocrite, parce qu'hypocrite c'est avoir conscience que l'on fait pas quelque chose mais aller à l'encontre d'eux, alors que là je pense que majorité des humains ont vraiment l'impression que pour changer en eux, il faut qu'ils changent le fait de faire et pas le fait d'être. Donc je pense qu'il y a un amalgame entre les deux. Je me demande de plus en plus si le fait d'être écologiste et le fait d'être amour vont de pair ou non. Bah, c'est, je viens d'y répondre. Beaucoup se disent spirituel et écolo, mais j'ai vraiment l'impression que ça veut plus rien dire. L'impression que les réseaux sociaux, les médias, etc. nous font en permanence culpabiliser sur le fait d'être de plus en plus nous, au détriment d'une Gaïa qui est de plus en plus elle. Oui, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les médias bientôt. Voilà, j'ai répondu à tout, ça tombe bien parce que j'ai plus de batterie. Si vous avez d'autres questions sur des on-dit que vous avez donc entendu dire au niveau des thérapeutes, etc. Je parle pas des théories sur la Terre, genre les pyramides et tout, parce que ça je vais faire une autre vidéo, mais sur des choses qui se passent actuellement, etc. N'hésitez pas à en parler en commentaire, dès que je pourrai, je vous y répondrai. Merci.